Salut, je suis Antoine Zebra, musicien, auteur, compositeur, interprète, guitariste, ex-DJ Zebra à la radio et sur scène, producteur avec mon propre label Zebra Mix et risque tout. Rendez-vous sur le champ de bataille, s'arracher les entrailles. Dans ma chair. C'est chaud ça. Bah justement, ça tombe très bien. En ce moment, je suis en plein dans la chair. Puisque tout mon nouvel album est très sensuel, voire sexuel. Donc je plonge dedans, dans la matière, surtout la matière des mots, parce qu'ils provoquent beaucoup plus que les sons. Enfin, c'est ce que je me suis mis à penser récemment. Et j'aime bien ça, penser que ça provoque des sensations corporelles quand on juste parle l'évocation des mots charnels. Et c'est un vrai jeu d'artiste, ça. Il faut vraiment explorer profondément les choses. Il ne faut pas tricher avec la chair, surtout pas. Rire, bah, tu peux pas mieux tomber. Hein. Je suis un mec très bon public. Je suis du genre à être le seul à rire dans les salles de cinéma quand le film est moyennement drôle. Donc voilà le genre. J'ai un rire assez tonitruant que je vais éviter de faire. Sinon, ça va péter les enceintes de nos auditeurs et téléspectateurs. Non, mais j'adore ça, manier le rire. En fait, je me suis aperçu qu'un artiste qui n'a aucun humour, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'il y en ait un minimum. Pas trop non plus, parce que la gaudriole, c'est bien, ça permet de boire des coups et de se marrer. Mais en fait, j'aime bien quand il y a un humour vraiment sous-jacent, un peu grinçant, c'est encore mieux. Mais il faut qu'il y en ait un minimum. Voilà. Dans le punk, par exemple, moi qui suis un enfant du punk, il y en a toujours. C'est quelque chose qui peut être très carnaval, en même temps très sérieux. On peut détruire avec humour, on peut tout faire, quoi. Alors, les amoureux. Les amoureux. Les amoureux, non, enfin au niveau strictement sexuel, non, je suis plutôt hétéro, quoi, donc j'en ai pas, mais par contre, si artistiquement, je me suis aperçu il y a peu de temps qu'en fait j'écoute exclusivement des chanteurs, j'écoute quasiment pas de chanteuses. Alors après, on me dit, ouais, est-ce que c'est parce que t'es misogyne? En fait, non, j'en sais rien, je pense que c'est un truc vraiment de voix, les voix masculines, notamment celles de Richard Rowley, de Johnny Cash, les voix graves, vraiment profondes, me parlais moi-même de Gainsbourg, Higelin, Miossec, qui sont des références pour moi, et je me suis aperçu que c'est parce qu'elles ont, elles, tu vois, elles en tant qu'inspiration, mais ils ont des voix graves, et je suis amoureux de ce genre de voix. Donc je m'efforce moi maintenant, vocalement, d'aller vers le bas, vers le grave, et en y arrivant, je m'aime moi-même, c'est magnifique. Un souvenir assez drôle, c'est en fait, je suis arrivé dans le milieu de la musique un peu par hasard, enfin quand je dis musique c'est professionnel, en enregistrant des prières dans une radio catho avec Billy the Kick. C'est-à-dire qu'elle était au chômage, son album qui était très très vendu venait juste de sortir, c'était un carton dans Rennes, mais elle était à la dèche, donc moi j'étais à cette époque-là objecteur de conscience dans une radio chrétienne, et elle arrivait, et comme ça, en enregistrant des prières, elle fait tiens, j'ai un groupe, cherche un bassiste. Et je dis, bah, moi, je joue de la guitare. Bah, elle m'a dit, t'as qu'à enlever deux cordes et puis tu joues de la basse. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Billy the Kick et les Gamins en Folie. Et ensuite, je suis devenu musicien professionnel. Donc, Dieu mène à tout. Alors, actuellement, je m'appelle Antoine Zebra, même si beaucoup de gens m'ont connu en tant que DJ Zebra. Mais ce n'est pas innocent si je reprends ce prénom de Antoine. C'est parce que, en fait, je change d'identité. Donc, c'est un vrai renouvellement, une renaissance qui est symbolisée par un album actuellement disponible qui s'appelle Plaisir et Dissidence. C'est un album qui sort à l'envers, c'est-à-dire qu'on peut déjà l'acheter, alors qu'il n'est pas encore en magasin, sur une plateforme qui s'appelle Ulule, donc ULULE, c'est une plateforme de crowdfunding à la base, mais moi je m'en sers comme une plateforme de distribution. Et c'est une façon de faire de la musique, enfin disons de produire de la musique plus intéressante, parce qu'il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de commissionnaire. Donc c'est un album qui doit vous séduire, parce que je vous le dis, et qu'il faut aller chercher avant le 22 octobre sur Ulule. Vous cherchez Antoine Zebra, vous le trouverez. L'avenir pour moi, c'est compliqué de l'envisager, parce que j'ai des échéances très courtes. Mon avenir proche, en tout cas, c'est de faire des concerts en duo avec Prem, qui est mon guitariste accompagnateur. On se produit le 20 octobre à Montreuil, au Chinois, et le 22 octobre à Paris, à la Dame de Canton. Ensuite, eh ben, on va voir, parce que c'est une nouvelle aventure. Moi, en plus, c'est la première fois que je me retrouvais assis devant un public, parce que je joue de la batterie au pied, guitare-batterie, et lui à la guitare. Et c'est une formule qui m'excite vraiment. On va être un petit peu en développement pendant un petit bout de temps, mais j'espère que ça va durer toute l'année 2017, parce que je crois que dans le domaine de la chanson française, ce genre de formation, pour l'instant, je n'en ai pas vu. Donc si on est originaux, ça devrait le faire, quoi. On va voir. Face à face, d'égal à égal, et avant que je m'en aille, je veux me battre avec.
avec une femme.